c'est vrai qu'on avait fait quelques changements. On voulait revoir quelques joueurs, soit qui avaient été blessés, soit par circonstances n'avaient pas trop joué. Donc voilà, c'est vrai que ça a bien payé. Il nous fallait un peu de fraîcheur après ces 2-3 matchs difficiles. Donc voilà, ça a plutôt bien fonctionné, tant mieux. Alors comment vous avez vu ces joueurs que vous vouliez un peu tester aujourd'hui, qui est-ce qui vous a le plus impressionné par exemple? Ouais, je crois que collectivement on a fait un bon match. Après ça veut dire que chacun a mis la main à la pâte et chacun a fait ce qu'il fallait. Donc ça c'est bien pour l'équipe. Voilà, faut continuer comme ça, à être sérieux et à rester collectif surtout. Si on veut gagner des matchs, pas tomber dans l'individualisme, ce qui aurait pu se passer puisque c'était des joueurs qui avaient peu de temps de jeu, donc ils auraient voulu peut-être se montrer un peu plus et ils sont restés collectifs, donc c'est l'important. Surtout le premier essai, c'était extraordinaire ce premier essai. Ouais, il y a eu des beaux essais. Et voilà, on a essayé de mettre du volume au match. On a bien pris le match en main sur une bonne entame avec 17-0. Après, ça c'est un peu compliqué, mais franchement, ils ont fait ce qu'il fallait dès le départ pour faire en sorte de gagner ce match correctement. Ça a été un match très difficile, comme le score en atteste. Après un début de match où la section nous met sous pression et nous, on manque beaucoup de précision dans nos passes, dans les ballons perdus au contact. Ils en profitent pour être, comme ils savent l'être, très opportunistes. Ils marquent vite 2 essais. Et après, on court un peu après le score jusqu'à la fin de la première mi-temps. Après, je pense que la deuxième mi-temps, elle est quand même globalement maîtrisée par les Palois. Et ils en profitent pour prendre le point de bonus. Et nous, on lâche peu à peu le match. Donc, difficile pour nous, tout simplement. Vous avez été impressionné quand même par la section paloise, vous qui avez été un joueur de la section? Impressionné, je savais pour les avoir joués depuis 3 ans que quand même c'était une belle équipe. Après, impressionné oui, comme on a pu l'être que face à Lyon ou face à La Rochelle et toutes ces équipes de haut de tableau, bien sûr, il y a quand même un écart entre eux et nous, ça c'est sûr. Bon après, non, mais on sait que... C'est que c'est difficile face à ces équipes-là si on n'est pas vraiment précis sur nos détails. Et aujourd'hui, ce qu'on a manqué le plus, c'est de précision. Vous avez vu le nombre de ballons qu'on a pu faire tomber, le nombre de passes qui ne sont pas arrivées à destination. Tous ces petits mauvais choix mis bout à bout ont fait que nous, on a perdu tout d'abord beaucoup de terrain, pris des essais dans un second temps et perdu de la confiance et lâché le match au fur et à mesure. Et voilà, les Palois ont bien su... Ils savent que quand ils prennent une équipe au coup, ils savent l'enterrer et c'est ce qu'ils ont fait cet après-midi. Et pourtant, entre la 25e et la 35e minute, vous étiez vraiment dans leur but et on a vraiment cru à un sursaut. Oui, c'était notre bonne période. C'est vrai que la deuxième partie de la première mi-temps a été bonne, mais on n'a pas su concrétiser encore une fois, à part à la toute fin. On n'a pas su concrétiser par manque, encore une fois, de précision et de bons choix, choix stratégiques. Face à une équipe comme ça, à l'extérieur, ça, on sait qu'il faut être hyper précis et on ne l'a pas été. Donc bon, on ne peut pas se leurrer. Le score est lourd, mais le score est logique.